Une victoire méritée, un match magnifique, tout le monde s'est régalé, on a pris du plaisir, on est véritablement heureux pour eux. Allez Aix, allez les Noirs, ça n'a pas été facile du tout, on a craint le pire, mais on a eu le meilleur. Et grâce à qui? Grâce à eux à nouveau. Alors bravo, bravo à tous. Je trouve qu'ils ont fait jouer beaucoup, ils ont fait tourner l'effectif pas mal, et ils ont su attendre, ils ont été patients. Et ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire la patience à payer. Une très bonne défense, ça on le savait déjà. Et ils ont fait un match extraordinaire. Bravo encore. Et ça a été laborieux. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques hein, de la part des Aixois notamment. Et puis cet essai que l'on prend qui ramène l'équipe à 7 à 7, hein, ça a été difficile. Hein. Difficile, en plus, l'essai où l'arbitre ne nous l'accorde pas, bon... c'est pas trop s'il n'y est pas parce qu'il a vite redonné le coup d'amour. Enfin, l'essentiel est préservé, on gagne. On se rapproche de plus en plus de la sixième place. Hein. Ben, il faudra faire un gros match à Rouen. Il faudra faire un gros match à Rouen. Et Agen. Ouais, mais fait, selon les résultats de Oyonnax et de Mont-de-Marsan. Je pense qu'ils ne vont pas trop forcer pour éviter les blessures pour les phases de finale. Mais bon, voilà, il faudra certainement gagner à Rouen et à Gênes. Victoire à Rouen est capitale. Oui, je pense que si on gagne à Rouen, si on vient à gagner à Rouen, je pense qu'on sera bien dans le top 6 quand même. Non, c'était un joli match. Moi, j'aime bien la Bretagne. Mais j'habite à Riance, donc je suis partagé d'un côté comme de l'autre parce que je suis de Provence. Ma grand-mère est née à Apt. Allez Toulon. Allez le RCTR. Allez Toulon. Allez. Donc j'ai trouvé que c'était un beau match, assez équilibré. Et vive le beau jeu. Et je pense à Pierre Albaladejo qui m'a fait rêver quand j'étais jeune. Je comprends pas la relation entre Pierre Albaladejo et ce soir. C'était quand il y avait des coups de pied, il disait « Oh, le beau coup de pied qui passe juste à côté des poteaux !» C'est mon enfance. Ici, on a Florent Massip, non? Ici, on a Florent Massip. Mais je connais pas les joueurs. C'est la première fois que je viens ici. J'habite à Riance. Puisque vous découvrez le lieu, quelques mots sur l'ambiance. J'aime beaucoup. J'ai été 1000 fois au stade Vélodrome pour voir des matchs de rugby. Moi, je suis né à Lyon. Je porte l'écharpe du Loup. Mais j'ai trouvé ce match très équilibré et plaisant à voir. Au début, c'était un peu lent, puis après, les deux équipes se sont lâchées, vraiment. Nous, on est des bons joueurs, donc on est ravis du moment passé. On aurait pu gagner, parce que franchement, si on n'avait pas loupé deux transformations, c'était fait. Donc non, mais on a passé un bon moment et on adore la Provence. Et alors, vous êtes venu spécialement de Vannes? Alors, pas tout à fait. Moi, je suis née à Vannes, mais j'habite ici depuis 1997. Et donc, de temps en temps, vous venez ici à Maurice-David? Vous venez à, malgré tout, encourager un petit peu l'équipe d'Aix-en-Provence? Bien sûr. Il y a bientôt, le 22, là, il y a un nouveau match contre Agen. Je viendrai supporter la Provence, bien sûr. Les Bretons supportent tout le monde. Bon, malgré la défaite, vous avez passé une bonne soirée? Une excellente soirée avec des gens très sympathiques. On a discuté avec la mascotte, on a salué tout le monde. C'était extraordinaire, comme d'habitude. Alors ce match, c'était un match assez particulier parce que ça s'est battu des deux côtés. Mais Provence Rugby, à la première mi-temps, on avait très peu de possession de terrain. Hein. On peut le dire. J'étais fort inquiète. Allez-y, s'il vous plaît. Non, je suis très ravie. Une belle victoire pour le Provence Rugby après ce magnifique match contre Bayonne il y a un mois, on s'en souvient. Très prometteur pour que le Provence Rugby passe dans le top 6 à la fin de la saison. Donc on y croit et allez les Noirs, hein, j'ai envie de dire. Allez les Noirs. Les Noirs resteront avec nous. Provence Rugby, ils sont très forts. Bientôt, ils passeront avant le Nord. Provence Rugby, ils sont si forts qu'on sera tous les